Alors, vous m'avez dit sur la vie, c'était à... au Chili. Papa est revenu des États-Unis et il vous a apporté un bateau, un petit bateau. Alors, il y avait un grand, c'était un grand salon avec un grand tapis. Alors, vous étiez dans le bateau et vous rameniez sur le tapis. À M. Kempner, est-ce que je peux vous poser cette question? Il avait 70 ans. Pensez-vous avoir fait des progrès? Alors, il regarde, il dit, très bonne question, laissez-moi réfléchir. Il dit, je crois, je joue plus simplement. Voilà. At efter vi havde besluttet, at vi skulle mødes hos mig på Ile Saint-Louis, hvor jeg boede på det tidspunkt til en yoga-lektion, så begav hun sig til vej til den lektion en torsdag morgen, eller hvad det var, kom så forbi Notre Dame. Og så havde hun jo det store problem på det tidspunkt, at en af sine personlige venner, den argentinske pianist Michelangelo Estrella, der var... politisk fange i Argentinas fængsler i Buenos Aires, ikke? Mm-hmm. Og hun fik den lyse idé at kontakte ærkebiskoppen af Paris. Den dag hun skulle have lektion hos mig, give mig lektion, ikke? Og fik møde, altså aftalte et møde med ham, og han fik så også sat noget i gang med sine relationer. Non mais explique la Jeanne. La Jeanne c'est une Jeanne c'est une dilettante, c'est une fille qui bosse quand elle a envie, qui est toujours heureuse, toujours contente, toujours souriante. C'est qui énorme, sortir. Tu vois, c'est énorme. Et l'autre elle n'apprécie rien de tout ça. Mère qui est toujours contente. Fille n'apprécie rien de tout ça. Et son père c'est pareil, c'est un type qui prend un boulot quand ça lui convient, sinon il refuse. Mais après il est chômeur, mais ça lui fait rien. Alors, moi j'ai des parents chômeurs et tu crois que c'est une vie et tout ça. Je dis, ben, si mal, t'as une maison, une chambre. On dit oui, mais c'est vraiment tout. C'est incroyable. Alors c'est la crise d'ado totale, tu vois, avec quelqu'un qui va de bon consent et qui va devenir très rigide, quoi, très 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 dur, et qui veut, elle veut de l'argent, elle veut un mari, elle veut une robe blanche jusqu'à